Hey, je retrouve dans un nouveau vlog, je suis trop contente. Ce petit vlog sera un petit vlog au Pays Basque parce que je suis là pour quelques jours. Donc je suis très contente, je vous ai filmé quelques plans vidéo. Et j'ai aussi acheté quelques trucs en papeterie, donc je me suis dit que ce serait cool de vous montrer ça. Et également de vous parler de mes dernières lectures. Donc c'est parti. Bon, les gars, je suis rentrée, ça fait 2 jours que normalement vous avez vu les images précédentes. Du coup, de base, je voulais vous filmer, parler, etc. pour faire mon petit vlog. Mais au final, j'ai pas du tout eu le temps de vous prendre face caméra pour vous expliquer ce qu'est-ce qu'on était en train de faire, patati patata. C'est pas grave. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais le faire calmement quand je suis rentrée. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait durant mes vacances du Noël, enfin, pour fêter le Nouvel An. Pour fêter le Nouvel An, je suis donc allée voir ma meilleure amie à Bayonne. Ça fait trop du bien. C'est pas la première fois que je vais la voir au Pays Basque. Et du coup, on n'a pas refait les mêmes choses. Cette fois-ci, on est allé un petit peu regarder les paysages. On a monté la rune. On n'est pas monté tout en haut parce que je ne suis pas sportive. Voilà. Mais en gros, on a vu un potchoc. C'est comme ça. Je pense que je le prononce bien. Mais... oh mon dieu, ce sont des petits poneys au Pays Basque qui sont en liberté et ils sont d'autant plus heureux quand ils sont sur la grande montagne de la Rune. Et c'était tellement chou, émouvant de pouvoir s'approcher et de pouvoir le caresser comme ça. Donc ça, c'était déjà très cool. Ensuite, on est allé se balader à Saint-Jean-de-Luz. Il y avait de belles illuminations. Et on est tombé sur une petite papeterie. Et c'est là que ce vlog se transforme en haul plot twist. Mais en gros, je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que je trouve que c'est plutôt cool. Cette papeterie, elle est trop mignonne. Faut que je retrouve le nom de la papeterie. Elle est en plein centre de Saint-Jean-de-Luz et elle est trop chou. Et j'ai pris pas mal de trucs. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, c'est bon. Déjà, bon, c'est un peu de l'abus parce que ça m'a coûté 10 euros, c'est beaucoup trop cher, I know. Mais regardez-moi ces jeunes femmes. J'ai pris un petit carnet avec des jeunes femmes de couleur toutes nues. C'est beau quoi. Il y a des jeunes femmes tatouées et tout. Je le trouve trop beau en fait. Et j'ai limite pas envie d'écrire dedans. Parce que waouh, il est si beau. Une petite carte postale, mais regardez-moi cette beauté encore. C'est une bibliothèque, elle est trop belle. J'ai craqué aussi... par contre, c'était cher hein, les prix hein, quand même. Hein. Faut se calmer là. Hein. Mais ça valait le coup. Je me suis pris une petite liseuse. Elle est trop belle. Des marque-pages. Et celui-ci, ça sera pour le concours de YouTube. Pour le concours de mes abonnés YouTube. Je suis trop contente. Et pour moi, je me suis pris celui-ci. J'adore. Il est trop beau. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je me suis pris également cette bougie. Alors, je sais pas si vous connaissez. Aïe, faut que j'arrête de me taper avec les trucs que je vous montre. C'est quand même bon, la honte. Ça sent si bon, my god. Moi, personnellement, je connaissais pas cette marque de bougie. Mais en gros, la particularité, c'est que quand vous l'allumez, ça frémit comme des petites flammes devant une cheminée et... en fait, l'ambiance que dégage cette bougie est parfaite et elle sent excellemment bon. Après, je crois que je me suis fait arnaquer parce que quand tu la commandes, ça coûte moins cher. C'est pas grave. Arnaquer de 2 euros. Je me suis également acheté du thé et pareil, je vous donne un bon plan. Si vous allez à Saint-Jean-de-Luz, j'ai abusé sur le thé là. C'est de l'abus. Je vous conseille la maison 2A. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Normalement, oui. Confrérie des maîtres du thé.
Café 2A, donc voilà, 18 rue Garat, Saint-Jean-de-Luz, packaging. En tout cas, je me suis pris un petit thé noir à la poire et un petit thé noir à la violette. Ça m'a coûté que 6 euros. Après, j'ai pris que 100 grammes. Mais pour du thé, je trouve ça pas vraiment excessif, honnêtement. Mais c'est surtout la qualité du thé. Mon Dieu, les amis, c'est trop bon. C'est trop bon. Si vous êtes vraiment accro au thé comme moi, vous allez vous régaler, vous allez trouver votre bonheur. Je suis dégoûtée de ne pas avoir pris plus de choses. En tout cas, celui à la poire et celui à la violette, je vous les conseille. C'est juste du thé noir avec goût poire, goût violette. Mais vous avez des infusions, vous avez d'autres thés, des mélanges. Allez-y. Également passé à Soustine Green, mais ça vous en avez aussi à Paris, cette petite boutique très mignonne, et pareil j'ai pris du thé, il est très très bon, et surtout celui à la crème, thé à la crème, thé noir à la crème hollandaise, je sais plus quoi. C'est tout pour mes petits achats, j'avais juste envie de vous montrer ça. Au final je crois que je vous ai tout dit. Au niveau de mon petit week-end, ça m'a fait beaucoup de bien, ça a été très ressourçant. J'ai vu de belles choses, ça fait vraiment du bien. Le Pays Basque, je vous conseille si vous voulez un petit peu vous aérer l'esprit, voir de belles choses, c'est vraiment une très belle région. Et je vous ai tout dit, je vous laisse ici et je vous fais des gros bisous. Mais si ce n'est pas le cas, je vous mets quelques images du Pays Basque. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous! Ma tête, je suis horrible. Je viens gâcher ce vlog. Bouh. Je suis trop contente. Je vous annonce un concours. Wouhou, sur Instagram. Pour vous remercier de me suivre ici. Donc merci énormément. Je suis hyper contente. On a déjà atteint les 100 abonnés. Je trouve ça ouf qu'il y ait 100 personnes qui regardent mes vidéos. Il y a plus de 100 personnes d'ailleurs. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Voilà, je le fais sur Instagram parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Mais si vraiment vous ne pouvez, vous n'avez pas tout simplement Instagram, je tenais à le mentionner dans cette vidéo. Comme ça, vous pouvez participer en commentaire. Vous me dites je participe. Je vais vous faire gagner plusieurs lots. Je vais d'abord vous faire gagner un magnifique album Benjamin Lacombe. Je vous mets quelques images pendant que je suis en train de parler. Ça me tenait à cœur de vous faire gagner un album de Benjamin Lacombe, tout simplement puisque c'est mon illustrateur préféré. C'est également un auteur, mais pour le coup c'est mon illustrateur préféré. Et je vous fais gagner un agenda pour les cours, parce que voilà, je trouve qu'il est magnifique cet agenda. Et je vous fais également gagner un roman de Paulo Coelho. Donc voilà, il y a 3 lots, vous pouvez participer aux 3 lots, et ça m'arrangerait que tout le monde participe sur Instagram. Mais si vous préférez participer sur YouTube, et bien participez sur YouTube, ça me fait tout autant plaisir. Je vous fais des gros bisous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.